Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 11 de Need for Speed 2015. Donc on va reprendre la Mitsubishi. La dernière fois on s'était arrêté avec la Ford pour faire 2-3 drifts, 2-3 courses de drift. Donc on a gagné 13 000 $ pour les dépenser en amélioration. Et ouais, je pensais en off, voilà, je pense que je vais la repasser en drift au niveau des réglages. Parce que j'ai l'impression que le drift c'est plus simple, enfin plus payant de faire du drift que du grip. Pour gagner la vitesse et les points, bon pour l'instant on va pas monter le reste. Moi je préfère ça d'origine plutôt que devoir payer une fois puis après repayer pour avoir la pièce supplémentaire, donc genre notamment le différentiel, après les pneus. C'est pour ça aussi, je savais pas avec les pneus grip. On va voir avec les pneus grip. Juste en mettant les pneus. Les freins, on va passer. Frein main, on va passer. Anti-roulis, on va passer. Bon, déjà on va tester comme ça. Je vais juste aller dans les personnalisations visuelles. Régler position. Mettre bien en bas, la garde au sol et roue avant. On va changer un peu les jantes. C'est du BBS, mais après, c'est juste l'esthétique. Hein. La statique. Ouais. Ok. Après, pour les roues arrière, on va changer le flanc des pneus. On va mettre du Spin Hunter. Voilà, la plaque aussi, on fait vite fait. Ah bah Diablo, hop. Mais cette fois-ci en vrai, hein. Avec les chiffres et les lettres. Juste les lettres, voilà. Pour ça, on va rejoindre Razor, donc voilà, il m'a proposé la fois précédente de me rejoindre pour faire les courses. On va le rejoindre, parce que c'est des courses ou alors c'est en ligne. Ouais. Moi je vais faire du freeride, hein. Je vais pas faire du speedless. Hein. Ok. Non, c'est du freeride, ok. Je finis de modifier ma caisse si je peux. Voilà, de toute façon j'allais terminer. Hein. Juste au niveau des réglages, vérifier deux trucs. On va faire un rayon de braquage quand même assez large, hein, parce que si la direction... Voilà, c'est ça, sa direction, on va mettre rapide. Elle est lente avec le truc de base. Freinage 100, 100. Départ, vrai. Portance, atterrance. Voilà, ensuite motricité, dureté des os. C'est un joueur, mais bon, c'est pas le. C'est pas Razor. Ok, il a sorti la 180SX, c'est ça. L'urbex ici, hop, on va le faire, pixel, ok. Quelle puissance, j'en sais rien, sur ma bagnole, quelle puissance. Mais ce que c'est assez bien, hein, je pense, par exemple. Après le must, ça serait qu'on se rend en vocal. Parce que là... on va continuer mission. Donc hop. Robin Crew Style. Ok. Voilà, on va retenter avec Spike parce que. Hop, on va se balader un peu. Ça va faire aussi un petit peu des collectifs si on jamais dans les bouillets la dernière fois. Ok.
quand même eu un temps de latence hein, entre le fait où j'ai foncé dans le camion et où le truc s'est déclenché. Ah bah tu vois, on est dans le sens inverse. Pas dans le bon sens. Bah ouais, vocage, ouais, comme tu veux. Comme tu veux. A pas pris en compte la sauvegarde quand on a switché de session, genre la plaque a pas pris en compte. Les bleus, bah si, visiblement aussi, juste la plaque a pas été pris en compte. Si je, c'est la première fois que j'utilise hein, le truc vocal, donc je sais pas. Bon, j'ai pas dû le recevoir dans mon truc, ça a été passé. D'aller me proposer un TS ou un Discord. Même, je pensais qu'on allait sur Discord. Ah ouais. Et puis on peut y aller, hein. Vas-y, on va plutôt aller sur Discord. Parce que... Donc, re YouTube, donc on est parti. Voilà, on est en vocal avec Razor. Hello. On va être ça sur YouTube. Ça beau ça. Hop, invité crew. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Bah ouais. Moi je suis en train de faire le let's play en fait. J'ai joué un peu... La dernière fois c'était mercredi dernier je crois, ou jeudi. Ouais bah t'as fait en live. Ouais bah de toute façon je fais le let's play en live donc... je suis en live dessus c'est que... Je fais un IV, c'est privé. T'as mis c'est privé. Ah pour le... Ouais, il faut juste mettre un rôle en fait. De base t'es en... Bah, t'es de base quoi. Chat beaucoup ça pour les viewers. Bon, par contre là tu m'as mis l'amende hein. Ouais. Ouais non celle-là moi j'ai juste acheté l'épisode précédent. Là, j'ai juste monté un peu mais j'ai pas beaucoup de thunes donc pas tout monté. Encore j'ai pas tout débloqué vu que je suis que niveau 28. Hein. Ah, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Hein. Bah là, je te vois pas. Hein. Je t'entends pas du tout, je vais là avec les c'est pas devant parce que on aura de la thune. Hop. Ah bah niveau 29 non mais presque. Ah non c'est bon niveau 29 calculateur ok. Du coup suite hein.
rappelle l'autre. Eh, hey, mais on attend plus que toi, mec. Grouille-toi un peu. Peace. Hop, par contre, je sais pas si tu vois les points, toi, que je mets. Défoncer l'autre. Le mec qui arrive à pleine balle. C'est l'heure de mettre la gomme, mec. C'est parti. Ah, mais toi tu manges le mur en fait. Du wait. Ah, mais là, j'ai pas choisi en fait. Parce que j'ai vu en ligne, il y a des mecs qui prenaient les murs. Les vite. Ils se foutaient un peu freinés. Bon, ça m'empêchait pas avec la BR7 de base de battre des Porsche et des Lamborghini. Hein. Mais qui savent pas jouer. Chaque virage, j'envoyais un dans le décor. Après il me rattrapait vu que c'était en ligne droite, à chaque virage, hop, il se replantait. Bon, c'était plutôt les Lamborghini et Huracan. Le grip en fait c'est trop pénalisant le grip de ce jeu là. J'ai l'impression que le grip va... T'appuies sur champion, c'est bon, c'est fini. Ouais. T'avais la lanceur de Tokyo Drift. J'ai pas bien vu, il arrivait à pleine balle. Ah, moi j'ai évité. Je crois que je l'ai déjà fait cette course. Et je crois en ligne. Ça me dit quelque chose. Bon bah 7700, 800, 8400 avec le... vu qu'on est en crew. C'est bien, c'est gagné, on a des bonus en plus. Bon bah déjà niveau 30. Non ? Oui ? Non, 29. 29, bon. Trop fort mec ! Waouh ! Mais quel talent ! Magnus Walker, ça va chauffer mon pote ! Wouh ! Allez, direction le Longhorn, rendez-vous là-bas. Bah non, j'ai pris pas mal de thunes, je vais vite fait aller monter ma bagnole. Je vais faire un autre truc. Faut du moins changer son maniement parce que là, je sais pas qu'est-ce que j'avais foutu. C'est horrible.
Ah ouais, mais faut mastune là pour une mission forcée. 8000, je peux pas pour l'instant. Calculateur, ah, on va gagner un calculateur. Hop, calculateur V3. Arbre à gamme. Hop. Échappement. Tac. Cache, hop. Bon, ça dépend. 700 vite, hein, quand même. La thune là. Combien de chevaux ta caisse? C'est où qu'on voit ça? 468 pour l'instant. Ok, je vais voir ce que j'ai. Mettre les freins, hop, freins. Ah, j'ai plus de thunes. Une thune. Ouais. Ça descend vite, hein. Ouais, mais après ça monte très vite après. Je suppose, ouais. Okay. Course difficile, c'est sûr. Après, j'ai vu qu'en multijoueur, voilà, on fait 3 courses, on a quasiment 75 000. Ouais, ça monte très vite là-bas. Bah, je pense qu'après, on fera un petit épisode là-dessus. Bon, on fait encore 2-3 courses et moi j'arrêterai l'épisode 10. Déjà 10 épisodes hein, quand même. J'ai l'impression qu'on stagne un peu. Hein. Enfin, niveau solo, je suis pas trop. Je me vois pas trop avancer en fait. J'ai pas l'impression que. Progresse. Enfin bon, on a déjà 3 voitures. Ouais. Parce que là j'ai fait. Oh, connexion anglaise. Des fois j'ai des connexions là. Ça c'est lié au serveur Ubisoft. Enfin, lié, hein, c'est pas. C'est pas mal. Donc voilà, donc on va continuer l'émission. On va faire. Coup. Tac. On va continuer avec l'autre spike là. Bah nickel, en plus la course est juste à côté. Oh, traverser tout le. Ok, ok. Je suis pas vraiment sûr où je serai. Mec, y'a du beau monde qui circule en ville. Et dans le genre plein aux as en plus. Non merci, ça sent l'embrouille. Exact. Va savoir qui se cache derrière tout ça. Surtout avec tous ces hors-la-loi qui font le spectacle en ville. On pourrait être surpris. Y compris notre ami, là. Oh, ton petit chéri Magnus, Mike. Hé, hey, plaisante pas avec ça. Avec une fausse rumeur, on peut tous finir au trou. D'accord, laisse-moi te parler de Magnus. Bon, c'est pas que... Yo, arrête, on connaît tous l'histoire par cœur. Alors, qui veut venir au Longhorn? Tout le monde. Hé, hey, Spike, pars devant nous. Comme ça, tu t'entraîneras un peu. Mmh, oublie-moi. Ouais. On se voit là-bas. J'ai pas encore changé les réglages. Hein. Des fois, ça sonne un peu. Un joueur en face, attention. 2 sur 2. Bah, ouais, j'ai pas fait gaffe. Rétrécissement de voix, j'ai pas fait gaffe. Paf. T'as fait quoi? Un Porsche. Porsche. Il fait faire quoi le GPS? Sortir pour rentrer sur l'autoroute. Deck dans. Ça serait bien aussi de faire un peu de Burnout Paradise. Payback, ouais. Moi je suis plus hypé par du coup. Avec les bateaux et les avions, là déjà ça change. Je les lag, parce que moi je te touche pas. Ah, par contre, des fois la voiture part tout seul dans le mur. Bon, je. Le frein à main, et puis t'as l'arrière en fait qui part pas vers le mur en fait.
alimenté en fait. Bah je suis au truc vert. De toute façon je l'en sors donc. Ah bah c'est une cinématique. Cinématique. Remoté. Incroyable. Yo mon pote, ça roule. J'ai un truc à te dire à propos de Magnus Walker, ok? Alors voilà, ce mec est tombé amoureux de sa première Porsche quand il avait genre 10 ans. Et maintenant il a plein de Porsche incroyables. Il a carrément créé un nouveau style. Il a même un pont qui porte son nom. Ouais. Or ça pourrait être nous, mec. Spike Brit. Bon sang, qu'est-ce que ça sonne bien. Magnus, il connaît Ventura Bay comme sa poche, tu vois. C'est plus fort parce qu'il connaît les moindres recoins. Ça roule tout seul, c'est naturel pour lui. Et c'est ce qu'on doit faire, mec. C'est du gâteau. On explore les spots, on apprend à connaître les pilotes, on y va, tu piges. Waouh, t'es à fond, toi, ce soir. Eh, fais ce que tu veux, mais évite de le brancher sur Magnus Walker. C'est trop tard. Et ça fait que commencer, ma belle. Pour atteindre Magnus, il faut qu'il sache qu'on en vaut la peine. Si on fait mieux que lui sur cette course légendaire, il sera obligé de nous contacter. Yo. C'est parti. Alors, qui vient? Allez. Tu le surveilles? Lâche-le, Robin. Je sais. Ok. Ça pour une course. Bon. Alors, du coup... Tu vas me rappeler, je suppose. Je suppose. Bon, je me rappelle pas. Bouger un peu. Ça va pas marcher, je crois. 4 roues pour le donut, c'est pas fait quoi. Bon, on va tenter avec les Mustangs. Pas trop l'impression qu'il m'appelle, hein. Parce qu'il faut faire une course. On va retenter celle d'Eddie là, qui est pas loin. Bah sinon on va faire du drift, mais... Ah non, c'est le bunker, donc c'est encore un code cinématique, on va la faire. Bah, je vais la faire. Là je pense qu'on a fini tout le tour. Ouais. Putain, ouais, ça tombe pas. Nickel, évidemment. Ah bah enfin, il m'appelle l'autre. Yo, je pensais à un truc. Magnus, c'est pas Superman, d'accord? Donc on va faire comme lui. On enchaîne les runs et on apprend les rues par cœur. Et là, on pourra comparer. Allez, je te tiens au jus. Sorti.
Allez, cinématique numéro 2. Tu l'as fait, mec. Wow. Ken Block a encore fait très fort. Ouais. Oh. Ça va? Oh, c'était dingue. Ça c'est roule clair. Salut, mec. Ah, moi, je kifferais tellement construire une Unicorn RTR, clairement. Amy, s'il te plaît, fais plutôt un Unisaurus Rex. Ouais. Après, je te vénérerai. Il va falloir attendre ton tour, alors, mec. Non, mais attends. Non. Ça veut dire qu'avant, tu me vénérais pas, c'est ça? Oh, non, c'est... Mais, si, mais de loin. Et dans le plus grand respect. Ok, d'accord. Je te savais, jure. Mais j'avais envie de l'entendre. Spike. Hey. Salut. La forme. Yo. Alors, tu traînes encore avec ces clowns, mon pote? Tais-toi. Ils savent que tourner en rond. Spike. Hein? Il faut que tu vois ça. Ça devrait te plaire si t'arrives à être de bonne foi. Je crois que je vais pas m'en remettre. Je vais être tout retourné. Regarde. Sérieux, mec, il est vas-y. Vraiment ouais, top. Top. Regarde il ça. Il paraît mec. Même qu'il fait bloquer les rues toute une journée pour tourner ces petites ouais. séquences. C'est bien ça? Bye. Non, mais t'es sérieux, mec? Avec un bon ordi, on est tous capables de faire la même chose. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te convaincre? Tout ce que je veux dire, c'est qu'à part un très bon montage, il y a franchement que dalle. Ouais. Ah, ok. 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 D'accord, mec. Si c'est ça, on tourne une séquence. Une prise sans aucun montage. Ouais, t'as raison. Quoi? Attends. Oh. En une prise, un gymkhana? Pas un simple gymkhana. Nous, on va reproduire le run de Ken figure par figure. Ok. T'es cinglé. Ah, je dis comme Amy, tu racontes vraiment n'importe quoi. Ok, Fred, tu me suis? Ouais, ça roule. Bim, ok. 1, 2, 3. Vous vous excuserez plus tard. Okay. En liquide, en plastique, tout me va à moi. Je vais en repérage et je te rappelle, ça va envoyer du lourd. Ok, bon. Enfin, encore une course, après on va s'atterrir. Je pense que l'épisode est pas mal là. Une heure. Bon, on rappelle du coup. Bon, je pense qu'on va devoir repasser au garage parce que ça sent le gymkhana, le drift, tout qui est, tout ça. Bon, il y a une caisse là-bas, mais je vais la récupérer. Latéral pour Honda Civic. Ok, j'ai pas de Honda Civic, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, du moins. Merde. Regardez la carte, parce que j'ai vu un donut. De toute façon, je retourne au garage. On est Mustang. Ou alors je vais la passer en drift celle-là. Ouais. Tout faire ça. En 4 roues motrices drift. Pour le gymkhana. Du coup, réglage comportement. Forcément. Salut. Je suis presque sûr d'avoir trouvé tous les spots de Ken. Je crois que je sais aussi où on placera les caméras. On se les fait tous en solo, on explose les records et on enchaîne tout. Viens me voir si ça te tente. Ah.
passe un peu mieux. Alors, on va tenter. Le jaune. Alors, on a un épreuve. Ouais, ils sont toutes là-bas, ok. Côté, on va se téléporter. Hein. C'est un peu plus simple. Téléportation. Et après, on enchaînera avec du speed list hein, si ça te tente. Vas-y, mais ça fait très longtemps. Hein. C'est chaud. Franchement, ouais. La conduite, quand tu es plus habitué, c'est abusé. Bien sûr. Demi-tour, on va rester sur le truc. Ah, reposer, je vais être derrière le machin bidule, ok. Fait le deuxième, ça on va faire ces deux. Waouh, tu m'inspires, mec. Encore une comme ça, et on entre direct dans la légende du drift, c'est sûr. Allez, continue, ma poule. T'es le meilleur. Contrairement à ce que je peux pas lutter.
pour la fin. Bon, je crois qu'en fait ça change un peu au deuxième là. Voilà, c'est ainsi que s'achève la rencontre. Niveau 30, nickel. Hop. Ok, bon. Mec, tu vas me dire. Fois, c'est la bonne. Rejoins-moi quand t'es prêt. On enchaîne tout et on entre dans l'histoire. Je le sens trop. C'est quand tu veux, héros. Je t'attends. Ok, bon, j'ai arrêté l'épisode là. Du coup, bah, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Mettez un petit like. Un petit commentaire, partagez YouTube et à ciao, à la prochaine.